Salut les amis, si vous avez 2 minutes à me consacrer pour une info mercato, on va aller au PSG les amis. Car le PSG chercherait un défenseur central pour peut-être pallier au départ de Kimpembe. Et le PSG s'intéresserait à Matthijs de Ligt. Mais il doit affronter la concurrence de 5 gros clubs européens. Avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos, la charnière centrale du PSG ne manque pas de talent. Et pourtant les dirigeants parisiens sembleraient avoir jeté leur dévolu sur Matthijs de Ligt. Selon le Corriere dello Sport, le défenseur central de la Juventus serait pisté par 5 grands clubs européens, Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea, et le Real Madrid aussi. Rappelons qu'en parallèle, le club de la capitale planche sur la venue de Milan Skriniar, mais doit encore trouver un accord avec l'Inter. En 2019, le PSG avait déjà tenté de recruter le De Ligt, mais le joueur avait préféré la Juventus. La clause libératoire du défenseur hollandais est actuellement à 125 millions. Dans un an, celle-ci passera à 140 millions. Un scénario que voudrait éviter le clan de l'ancien joueur de l'Ajax et qui préférerait une clause entre 70 et 80 millions. De quoi perdre et surtout de semer la discorde entre De Ligt et la Juventus, qui souhaiterait prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec le défenseur central. Une situation qui pose donc les clubs à se positionner sur l'international hollandais dont l'avenir pourrait s'écrire ailleurs qu'en Italie. Et oui les amis, j'avais vu qu'au Paris Saint-Germain, c'est possible que Kimpembe s'en irait. Et si Kimpembe s'en va, ben, c'est pour ça qu'ils sont à fond sur Milan Skriniar et sur De Ligt. Mais c'est sûr que De Ligt, ce sera un très gros coup. Parce que c'est un super défenseur. C'est vrai qu'en Serie A, il n'a pas encore montré tout son potentiel. Mais c'est un terrible défenseur, De Ligt. Et Skriniar, pareil, franchement, c'est deux tauliers en Serie A. C'est vrai que De Ligt, il est un peu plus en retrait depuis qu'il est à la Juve. Mais voilà, on voit bien, c'est un bonhomme. Et on sait qu'il déménage et c'est un très bon défenseur. Et voilà, Kimpembe, il a peut-être des chances de partir à Chelsea. Et s'il viendra à partir, ben, il sera obligé de se positionner sur un central. Et ouais, c'est vrai que De Ligt avec Marquinhos ou Marquinhos avec Skriniar, ça pourrait vraiment le faire. Franchement, ça pourrait faire très mal. Ce serait vraiment une bonne défense. Parce que Kimpembe, ouais, il n'est pas mauvais et tout ça, mais franchement, un Skriniar et un De Ligt, c'est deux costauds. Et franchement, ils déménagent et il faut déjà savoir les passer, quoi. Donc pour moi, ce serait vraiment un beau coup pour le PSG. Ils doivent vraiment essayer de se positionner sur un de ces défenseurs. Là, ils sont dessus, donc j'espère pour eux que ça va se faire. Et voilà les amis, c'était une petite info rapide, une petite info mercato. J'espère qu'elle vous a plu les amis. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir. Et prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.